de la température sur Terre, parce que c'est très important pour la santé humaine et pour le bien-être. Si on n'a pas un bon climat, on ne peut pas avoir de la bonne culture, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. On est obligé de faire venir les fruits de très loin, des pays chauds. Et dans les pays froids, on n'a pas tellement de fruits. Et c'est pour ça que les gens sont malades. Parce qu'ils mangent, ils mangent des choses qui ne sont pas vraiment... c'est pas vraiment des avocats, des olives, des fruits exotiques. Je sais que ici, c'est pas vraiment l'aliment qui est le plus consommé, malheureusement. Parce que ça ne pousse pas ici. Et il faudrait qu'on arrive à ce qu'on cultive ces fruits partout dans le monde. Comme ça, on n'aura pas de problème de soi-disant que ça coûte cher de faire venir, etc. Alors qu'en fin de compte, quand on les fait venir en masse, ça ne coûte pas beaucoup. Parce que ça réduit le prix du transport quand on emporte de grosses quantités. Par bateau, c'est dérisoire le coût du transport. Parce que ce sont des tonnes dans les cargos, ce sont comme des pétroliers pratiquement. Et en fin de compte, au kilo, ça revient à 5 centimes le produit. Alors en fin de compte, on pourrait faire transporter par bateau.